Le prochain défi va vous demander de fabriquer une amulette réfléchissante en utilisant un poisson guerrier attrapé dans les terres gelées. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir aller dans votre établi. Ensuite, dans l'onglet du cœur, vous allez devoir fabriquer une amulette réfléchissante. Et pour la fabriquer, il vous faudra des fils de laine, du verre et des poissons guerriers. Et pour attraper des poissons guerriers, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une canne à pêche de rareté épique. Et pour la fabriquer, il vous faudra des tiges de pin nordiques, du cordon, de la file de laine, enfin du fil de laine épaisse et des griffes arctiques. Alors en plus de ça, ce que je vous conseille aussi, c'est d'utiliser des seaux à appât. Et pas n'importe lequel. Il va falloir utiliser un pressoir et fabriquer des seaux à appât de rareté épique. Comme ça, un poisson épique, il vaut mieux utiliser des seaux à appât épiques. Et pour fabriquer ces seaux, il vous faudra des seaux à appât normaux, du sirop de slab, de slap et des burgers épicés. Alors moi, ce que je vous conseille en plus, c'est d'en fabriquer 10 et d'utiliser au moins 3 cannes à pêche épiques. Ensuite, quand vous avez tout le stuff que je vous ai conseillé, là, vous allez devoir vous diriger dans les terres gelées. Donc les terres gelées, c'est tout simplement là où il y a de la glace et où il y a de la neige. Et ce que vous allez devoir faire, c'est de chercher un étang. Donc par exemple, l'étang qui est juste devant moi. Et dans cet étang, bah, je vais lancer mes seaux à appât et je vais essayer de pêcher des poissons guerriers. Parce qu'il m'en faut 10 de poissons guerriers. Donc ça va être assez compliqué et ça va être assez long. Ok, donc là, je suis arrivé dans le lac des terres gelées. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un seau à appât dans l'eau. Je vais prendre ma canne à pêche. Je vais lancer mon hameçon. Et dès que mon hameçon va mordre, je vais maintenir R2 pour essayer de pêcher un poisson. Ok, donc là, maintenant, je tiens R2. Et hop, j'ai obtenu un poisson. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en illimité pour essayer de choper un poisson guerrier. Après une heure, je viens de capter comment fallait faire. J'ai pêché pendant une heure dans les terres gelées. J'ai usé mes 10 appâts épiques. J'ai cassé 3 cannes à pêche et j'ai rien attrapé. J'ai attrapé que dalle. Et là, regardez, encore un poisson guerrier, c'est une dinguerie. En fait, je pense qu'il y a un problème dans le défi. Peut-être qu'on peut en attraper dans les terres gelées, ça je dis pas. Peut-être, mais c'est très compliqué. J'ai passé plus d'une heure et ça m'a littéralement cassé la tête. Et j'ai remarqué un petit truc en pêchant dans les terres gelées, c'est que quand on se déplace, on reste pas au même endroit. Ben, on pêche de différents poissons. Donc n'hésitez surtout pas à pêcher à différents endroits quand vous pêchez parce que ben, ça vous permet d'obtenir d'autres poissons et sûrement plus de chances d'obtenir un poisson guerrier. Mais là, en fait, pour réussir à pêcher un poisson guerrier, ce que j'ai fait, là, je viens d'en pêcher 2 en 2 secondes. Donc c'est ces poissons-là. Pour réussir à les pêcher, ce que j'ai fait, c'est que j'étais dans la grotte de Star Wars. Donc la grotte qui est ronde, bleue, que vous pouvez remarquer avec les macro jumelles. Donc je vais vous montrer ça tout de suite de toute façon. Ok, donc j'ai utilisé mes macro jumelles et je me suis dit, ok, je vais essayer d'aller pêcher dans une grotte de terre gelée. Mais ça marchait pas parce que je trouvais pas d'eau et quand je trouvais de l'eau, elle était gelée. Donc ça ne fonctionnait pas. Donc je me suis dit, je vais essayer dans la grotte des rebelles, donc avec le rond là, de Star Wars. Et je me suis dit, comme c'est une quête, un défi de Star Wars, il y a peut-être moyen que ça fonctionne. Et effectivement, après même pas 30 secondes de pêche, j'ai pêché un poisson guerrier. Donc c'est juste une dinguerie. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré dans une grotte, j'ai lancé mon seau à appât, et bien entendu épique, et j'ai commencé à pêcher. Donc là, je vais finir mon coin de pêche, pour voir si j'en repêche hein, facilement. Ah, peut-être. Ouais, regardez. Poison guerrier, franchement c'est fou. C'est fou comment c'est facile en réalité. Et c'est fou comment j'ai perdu tout une heure de mon temps à rien faire quoi. À pêcher, ça m'a tellement saoulé. Enfin bref, quand vous aurez réussi à pêcher 10 poissons guerriers légendaires, enfin ouais c'est ça, 10 poissons guerriers, ben là vous aurez plus qu'à aller à l'établi et créer votre amulette réfléchissante et ensuite vous aurez terminé votre défi. Code créateur.